parlé donc on a vu les enfants, les activités liées, que toute personne est bienvenue, adulte. Et il y a un âge particulier entre les deux, avec des besoins particuliers, un groupe d'âge entre 11 et 15 ans, qu'on appelle les pré-jeunes, et qui sont ni des enfants ni des adultes. Et il y a également un programme pour eux, donc, qui s'appelle les groupes de pré-jeunes, et avec qui on explore à travers donc, les écrits et beaucoup d'actes de service. Donc ils doivent réfléchir comment ils peuvent rendre service autour d'eux, trouver un sens pour améliorer la communauté locale. Et donc autour de concepts forts comme celui par exemple d'excellence, de dire qu'ils peuvent prendre en main leur vie, réfléchir chaque jour comment développer leur qualité, comment être meilleur, exceller donc de manière spirituelle mais aussi intellectuelle. Et donc tous ces aspects qui peuvent englober leur vie et leur permettre de faire des choix éclairés dans une société où il y a très souvent des influences négatives qui les visent. On essaie un peu de les détourner de leur identité noble par le marketing ou toute autre chose. Et donc vraiment avec ce groupe, avec un animateur, on essaie d'explorer voilà, comment libérer au mieux leur énergie, leur potentiel pour le service à l'humanité. Et donc ce soir, on a la chance d'avoir certains de ces jeunes du 16e qui ont préparé un petit programme artistique pour vous ce soir. Et donc ils vont venir expliquer pourquoi ça a du sens pour aujourd'hui de venir vous présenter cette partie-là. Donc je vais donner la parole à Amélie, qui va s'exprimer en anglais, qui va être traduit par Laure, et qui va être suivi par tous leurs amis, Ziki, j'ai oublié tous les prénoms, vous m'excuserez, mais j'imagine qu'elles vont se présenter rapidement. Voilà, je vais vous présenter. Good evening, everyone. We are a group of 13 friends from all over the world. Our nationalities include Australian, German, Irish, French, American, Italian, French, Slovak, British, Czech, Jamaican, Malaysian, Belgian, Polish, Israeli, Japanese, Korean, and Portuguese. Today, eight of us are going to present you a dance based on the quote, "The earth is but one country, and all mankind its citizens," by Baha'u'llah. The aim of this dance is to represent the world as one. The dance consists of different traditional cultural dances, so you can try and guess where each one is from. But before I start, I have a special thanks for Ziki for organizing us and uniting us all together. Thank you. Bonsoir à tous. Nous sommes un groupe de 13 amis âgés entre 14 et 15 ans. Nous venons des quatre coins du monde et notre nationalité le prouve bien. Australienne, allemande, franco-irlandaise, italo-américaine, française, anglo-slovaque, tchèque, jamaïque, malaisienne, belge, polonaise, israélienne, japonaise, coréenne et portugaise. Ce soir, 8 d'entre nous allons vous présenter une danse basée sur une citation de Baha'u'llah. La terre n'est qu'un seul pays et tous les hommes en sont les citoyens. L'objectif de cette danse est de représenter le monde comme étant un. La danse consiste de différentes danses traditionnelles et nous vous invitons à devenir de quelle culture chacune est issue. Avant de commencer, nous tenons à remercier Ziki d'avoir organisé cette danse et de nous unir ensemble ce soir. Merci. Ah.
Chicago. But if you get out of the Five, six, seven, eight.